Bonjour à tous et bienvenue donc pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo sur l'adoption donc de reptiles tout simplement. Une petite vidéo donc pour reprendre les points généraux à revoir et bien sûr à penser lors d'une adoption. Alors tout d'abord, il y a plusieurs moyens d'adopter un animal. Voilà. Il y en a qui disent acheter, moi je préfère dire adopter. Il y a plusieurs moyens, donc via les animaleries classiques, les animaleries spécialisées, les sites internet et les bourses reptiles. Alors, sachant qu'on va démarrer donc par les animaleries classiques. Alors, les animaleries classiques, il faut savoir qu'on part principalement de chaînes, de grandes marques, tout simplement, donc de grandes enseignes. Et ces grandes enseignes-là ont un capacitaire pour toutes leurs chaînes principalement ou seulement pour leur établissement. Mais c'est pas forcément celui que vous allez, sur qui vous allez tomber quand vous avez besoin d'avoir de conseils. Alors, ils peuvent avoir des animaux qui sont principalement issus de l'import, ils ne font pas d'élevage. Donc, c'est principalement issu d'import. Import de... d'élevage de NC ou pris en commercial en farming, rarement du WC. Ça peut arriver, mais voilà, ils ne vous le mentionneront pas non plus parce qu'ils ne peuvent pas le savoir non plus, ils le savent pas. Ils vont vous, donc ils peuvent avoir des très beaux animaux bien sûr, hein, tout est en passant, comme ils peuvent avoir des animaux par exemple des carapaces qui ont des soucis ou trucs comme ça pour des tortues principalement ou des queues arrachées, voilà, il peut y avoir différents problèmes avec leurs animaux. Après, niveau conseil, vous attendez pas forcément à recevoir des meilleurs conseils du monde. Pourquoi ? Certains vendeurs pourront peut-être être passionnés, mais il y en a encore très peu. D'autres personnes, on leur donnait une capa vente et transit, vite fait, pour qu'ils puissent vendre, et c'est tout. Les animaux, ils les ont certainement jamais vus, ils les ont certainement jamais eu dans les mains, ils ne connaissent pas leur comportement, ils ne savent rien. Eux, ce qui est en plus, au niveau de leurs conseils, ils vont vous donner des conseils sur ce que eux, ils peuvent vous vendre derrière. Voilà. Eux, leur but, c'est de vendre. Pour la petite info, j'ai postulé il y a quelques années dans une de ces animaleries. Je n'ai pas de diplôme en vente, donc je les ai pas intéressés du tout. Voilà. Je leur en veux pas plus que ça non plus, c'est pas le but de la vidéo, mais voilà, il faut savoir aussi se mettre en place, c'est qu'eux ils veulent pas de passionnés, ils veulent du vendeur, ils veulent faire du chiffre. Point. Donc ils vont essayer de vous vendre du matériel qui des fois n'est pas adapté à l'animal, ne vous sert à rien. J'en ai déjà vu vendre des tapis chauffants à des tortues. Les tortues prennent la chaleur par le dessus, donc le tapis chauffant ne sert à rien. Voilà, donc ces petites histoires ou des lampes chauffantes pour des geckos léopards, ça sert à rien, faut faire chauffer par en dessous, c'est beaucoup mieux. C'est des petits détails comme ça. Après l'alimentation qu'ils ont, ils ont encore malheureusement des crevettes séchées dans leur rayonnage. Les crevettes séchées, on sait que pour les tortues ça sert à rien, mais ils en vendent quand même et ils arrivent quand même à en vendre parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément les animaux qui leur demandent conseil. Et derrière, ils donnent conseils sur ce qu'ils peuvent vous vendre. Donc en gros, ça fout en l'air une bonne partie de la terrario française. Mais voilà. Donc après, on peut tomber sur un vendeur très bien qui va vous conseiller du matériel et qui va vous dire non, n'achetez pas ça, c'est pas bon pour vous. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc méfiez-vous là-dessus. Ensuite, nous avons les animaleries spécialisées, comme principalement la ferme tropicale, Reptiligne, Terrario Center et bien d'autres. Les animaux peuvent être issus également donc de WC, de NC ou de farming. C'est possible, mais eux pourront vous renseigner sur la provenance parce qu'ils le sauront. Les vendeurs que vous verrez en face de vous peuvent être très qualifiés également, donc vous aurez de meilleurs conseils. Le matériel vendu là-bas est aussi de meilleure qualité, donc vous serez bien mieux loti en allant directement là-bas. Certes, ça peut vous coûter cher, mais au final, l'animal s'en portera que bien mieux. Et donc, vaut mieux avoir du bon matériel pour un animal qu'on va garder longtemps. Plutôt qu'avoir du matériel pourri ou d'une alimentation pourrie pour un animal qui en fin de compte mourra au bout de 2-3 semaines. Voilà, donc faut savoir faire le bon choix. Sachant qu'une vie c'est très important. Donc n'hésitez pas à mettre la main à la poche s'il y en a besoin. Après, en animalerie spécialisée, si le vendeur que vous avez ne connaît pas, par exemple si vous voulez une tortue qui ne connaît pas les tortues, il va vous dire attendez, je vais appeler un de mes collègues qui lui est spécialiste en tortue, il va vous donner des conseils et sera parfait. Ils savent se passer la main et ça c'est une bonne chose. Certains sont capacitaires, d'autres ont reçu des formations pour les bases, donc c'est quand même très appréciable aussi. Ensuite, nous avons les sites internet. Les sites internet, nous pouvons tomber sur un peu tout et n'importe quoi. Vous pouvez tomber sur des grandes enseignes de spécialisés reptiles, tout comme vous pouvez tomber sur des enseignes qui ne le sont pas. Vous pouvez tomber également sur des sites qui sont à l'étranger et pas en France, donc ils vont vous vendre des espèces que eux pourront vendre mais que vous ne pourrez normalement pas avoir suivant la législation. Ensuite, vous pouvez tomber sur des grossistes. Je reprends l'affaire Savannah qu'il y a lieu il y a quelques temps, où cette personne envoyait des animaux qui étaient tout simplement soit morts à l'arrivée, soit dans un état pitoyable. Voilà. Après, il y a d'autres personnes qui arrivent à vendre des reptiles par correspondance. C'est souvent certains éleveurs qui sont capacitaires, qui peuvent le faire également. Ils ont parfois un site,
Parfois, ils en ont pas. Si une personne vous souhaite vous envoyer un animal par un autre transporteur que par France Express, refusez la vente. Seul France Express est le transporteur habilité à transporter des animaux vivants en France. Et ça, tout le monde ne le sait pas forcément. Donc voilà, donc c'est bien à prendre en compte aussi. Sachant que sur Internet aussi, l'animal, vous ne le verrez pas. Vous pouvez demander des photos, mais une photo, c'est pas mieux qu'une vidéo. Si l'animal a une rhinite, il suffit de lui moucher le nez, vous prendre une photo et c'est plié. Vous le verrez pas. Vous le verrez qu'à l'arrivée et ce sera pour vous. Donc, si l'animal ne décède pas en chemin. Donc voilà, faire très attention. Personnellement, je préconise de voir l'animal. C'est beaucoup mieux. Après, vous avez donc les bourses reptiles pour les achats d'animaux. Et là, vous pouvez trouver de tout. Donc, vous pouvez trouver les personnes qui dirigent des sites internet. Vous pouvez trouver des vendeurs spécialisés. Maintenant, on voit des enseignes comme Animalis qui sont pas forcément spécialisées et qui s'y présentent. Vous avez également des éleveurs, capacitaires ou non, qui sont passionnés, qui font du très bon travail. Donc, vous pouvez tomber sur tout. Après, il y a certaines petites choses à demander. Si vous voulez savoir si vous allez faire de l'import, du farming, du prélevé ou du NC, il suffit tout simplement de demander si vous pouvez pas avoir une photo des parents ou avoir carrément un suivi de l'animal. Souvent en import, ils font venir les animaux qui restent seulement quelques mois, voire quelques semaines dans leurs établissements, puisqu'ils sont vendus tout de suite derrière. Et ben là, si vous n'aurez pas un suivi assez long. Contrairement à un éleveur comme moi, l'animal qui est dans le terrarium derrière va bientôt avoir 8 mois, et le suivi est sur les 8 mois, depuis la naissance jusqu'à maintenant. Voilà. Si l'animal a 12 mois, et que moi j'ai un suivi mettons sur 8 mois, bah c'est que l'animal est pas né à la maison. C'est que ça sera forcément soit je l'ai acheté quelque part, soit c'est issu d'un port, de farming ou autre. Voilà. Donc principalement pour du gécoléopard, c'est beaucoup de NC. Hein. Très peu d'import. Donc voilà, après il faut bien se renseigner sur la législation. Des vendeurs étrangers peuvent vous proposer des espèces, donc par internet principalement, ou si vous allez sur des bourses étrangères, ou dans des pays étrangers, ils peuvent vous proposer des espèces que eux ont le droit de vendre. La législation ne leur interdit pas, mais si vous les ramenez en France, la législation, elle, vous l'interdira. Donc bien se renseigner là-dessus. Après, sur le maintien de l'espèce, il faut bien se renseigner également. Parce que l'espèce que vous pouvez avoir, on peut vous vendre un animal dans une boîte comme ça, mais au final, bah, il va pas vivre toute sa vie dans une boîte comme ça. Donc il faut bien savoir la taille du terrarium ou de l'aquarium ou du bassin, si vous voulez, qu'il lui faudra au minimum avoir. Donc vous pouvez donner plus grand ou plus petit suivant le caractère de l'animal ou de son mode de vie. Ensuite il faut donc du matériel, soit des UV soit pour chauffer. Là on voit sur du gécoléopard, j'ai pas forcément besoin de lampe UV, mais elle a un tapis chauffant. Donc certaines espèces ont besoin d'être chauffées par le sol et d'autres par le dos, donc par le dessus, qui est le cas des tortues principalement. J'ai déjà vu des personnes conseiller du tapis chauffant à une tortue terrestre. C'est très très mauvais. Voilà, donc il faut bien se renseigner sur l'espèce pour acheter le bon matériel qui va devoir lui fournir. Son mode d'alimentation également. Si vous achetez par exemple des insectes à un animal qui est herbivore, vous allez un peu vous faire chier d'avoir dépensé pour rien. Donc il faut des bons conseils là-dessus. Ensuite, il faut des conseils de protection avec des multiprises qui sont idéales, avec des multiprises avec donc des fusibles dedans. Mais également des thermostats comme on peut voir ici. Les thermostats coûtent assez cher, oui, mais au final ça évite ta fille s'il prend feu, le thermostat, paf, il se coupe, un problème, tout simplement. Donc c'est bon à mettre en place aussi. Donc tout pour la sécurité, l'espace et l'alimentation. Ensuite il faut du décor. Donc là l'animal est quand même destiné à la vente, donc je ne mets pas beaucoup de décor. Mais il est important quand même d'avoir une gamelle d'eau, des cachettes, un point chaud, une gamelle de calcium vu que c'est des gécoléopards, calcium sans D3 bien sûr. Mais sinon voilà, juste une gamelle, pas mal de décor aussi, que ça lui rappelle un peu son environnement naturel même s'il ne l'a pas connu. Vous n'allez pas mettre non plus un animal désertique dans une déco tropicale ou inversement, ça n'aura pas de sens. Voilà, donc se renseigner un minimum là-dessus. Et ne pas hésiter à mettre le moyen dans le matériel. Ensuite, lors de l'adoption, donc quand vous aurez votre suivi d'animal, suivant vous voulez l'acheter, vous aurez le matériel, il faut se renseigner sur une autre chose vraiment très importante, le suivi vétérinaire. Parce que vous pouvez avoir un vétérinaire dans votre ville qui n'y connaît rien sur les NAC. C'est possible. Donc il faut trouver un vétérinaire qui est spécialisé NAC ou qui y a des connaissances. Ne pas hésiter à faire des kilomètres également pour ça. C'est pas parce que vous avez payé, admettons, votre animal à 20 balles qu'il n'a pas le droit à une consultation à 60. Quand vous allez chez le médecin, votre enfant, vous ne l'avez pas payé. Pourtant, vous allez bien le soigner, vous y tenez. Ben, l'animal, c'est une vie, c'est pareil, ça a besoin de soins de temps en temps. Mais si l'animal est bien maintenu, si vous respectez bien l'hygiène, il n'y a pas de problème, votre animal ira très bien. Voilà.
Donc pour reprendre sur la suite, donc là c'était pour l'adoption en général. Maintenant on passe à la suite, donc je vais vous montrer l'adoption à l'île aux tortues. On passe donc à la suite de cette vidéo, donc à l'adoption à l'île aux tortues. Donc moi j'ai mis une procédure spécifique en place pour les adoptions chez moi. Alors tout simplement, en période plutôt froide, je rajoute une chaufferette. Tout le monde ne le fait pas, moi c'est ce que je préfère mettre. Je préfère que l'animal arrive en vie et en bonne santé chez vous, plutôt qu'il meure sur le trajet, parce que en tant qu'éleveur, je suis quand même aussi quelqu'un de sentimental, faut le dire. Hein. Mais voilà, je préfère que l'animal soit en bonne santé à la personne que je l'ai cédé. Je ne fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour le plaisir de faire naître et d'élever. Alors moi je rajoute également la boîte de transport avec la petite étiquette de l'animal pour éviter donc que l'animal se retrouve dans une autre boîte qui était par exemple à une autre DG-code que j'ai élevé. Tout simplement par mesure d'hygiène, tout simplement. Donc la petite fiche est prévue pour ça, pour que je ne me trompe pas de boîte et que l'animal puisse être nickel chez vous. Ensuite, je rajoute un dossier d'adoption papier complet, donc avec une page sur le GECO, donc la petite fiche que vous pouvez faire comme moi, mettre sur le terrarium tout simplement, une fiche d'adoption avec les si elle mange bien, si il n'y a pas de problème au niveau des soins, les tailles et poids repris en généraux, le comportement, le nom scientifique également, c'est bon à savoir, ainsi que la date d'adoption, la fiche généalogique de la mère pour savoir sa mutation exacte, sa date de naissance à elle et de sa provenance. Le père également a la même chose, comme ça vous pouvez voir pourquoi. Bah, tout simplement, vous pouvez être une personne qui va juste détenir l'animal. Ça nous... Voir les parents, vous sera votre curiosité. Mais si vous décidez de faire reproduire, et admettons que vous achetez votre mâle chez un des vendeurs chez qui moi j'ai acheté un de mes parents, un des parents de la petite. Et bah vous pourrez éviter tout simplement toute consanguinité en demandant à l'éleveur en question plus d'infos. Il y a le code de la mère qui est chez un éleveur professionnel et le père vient de chez un éleveur donc amateur de très grand talent. Donc comme ça vous pourrez voir s'il n'y a pas de consanguinité pour faire reproduire en toute sécurité votre animal. S'il y a le moindre doute, vous prenez ailleurs, tout simplement, ou vous ne faites pas reproduire, tout simplement, pour éviter toute la consanguinité qui peut engendrer des tares génétiques qui sur le long terme peuvent être donc créer un animal un peu sous les mutations comme le spider ou l'enigma pour reprendre que donc spider chez le python rajus, enigma chez le gecko leopard. Voilà. Ensuite nous avons la législation qui est très importante et qui peut varier d'une espèce à une autre. Là pour le gecko leopard il y a juste besoin d'un certificat de cession. Certificat de cession qui est depuis peu devenu obligatoire mais que je recommandais déjà. Pourquoi ? Le gecko leopard n'a pas besoin forcément pour l'instant, alors je prends l'exemple du gecko leopard bien sûr, n'a pas besoin pour l'instant de législation associée, il n'en a pas. Mais avec les guerres et l'évolution géopolitique dans le monde, admettons qu'il y ait une guerre dans son aire de répartition et que l'animal soit totalement quasiment décimé et qu'il devienne en voie de disparition en son milieu naturel. Et bien sachez que la législation changera au niveau mondial, au niveau européen et au niveau national. Donc il faut savoir se préparer et un certificat de cession, tout document qui peut prouver de la légalité de l'animal et de sa naissance en captivité avant la loi va vous permettre de ne pas prendre d'amende, de ne pas prendre de prison avec sursis. Le seul truc que en cas de contrôle qu'on vous dira, donc contrôle des DPP et ONCFS, le seul truc qu'on vous dira c'est de vous mettre en législation au niveau de la détention. Donc passer soit un AE1, soit un certificat de capacité si besoin est avec l'AOE. Pour l'animal. Voilà, donc ça c'est une chose, mieux vaut prévenir que guérir. Ensuite nous avons dans ce dossier la fiche de maintien de l'espèce, donc avec dedans nous retrouverons le descriptif de l'espèce, le dimorphisme sexuel avec photo si c'est possible, si c'est visible, le maintien de captivité, l'alimentation, la reproduction, le mode de reproduction de l'animal, le matériel recommandé donc pour un seul individu. Après donc au niveau du terrarium, il faut savoir que la taille va évoluer, hein, bien sûr, le tapis chauffant s'il faut, le thermostat s'il y a besoin, le substrat qui est très important, les gamelles s'il faut de l'eau ou plus d'autres choses, comme le gecko leopard, il faut du calcium en poudre, les cachettes,
quel type de cachette on peut lui mettre, où on peut lui mettre. Voilà. Ça ne montre pas non plus de, comment dire ça, de type de décor possible. Hein. Après, c'est suivant les goûts, les couleurs. Mais bien sûr, il va de soi qu'on va pas mettre une décoration tropicale, un animal désertique et inversement. Hein. La législation, donc la réglementation, pourquoi il n'y a qu'un serpent de session pour l'instant, pourquoi il n'y a pas autre chose. Ensuite, nous avons l'évolution, donc avec une petite fiche qui reprend la base de la fiche d'adoption. Mais également un suivi poitaille depuis la naissance, avec les soins et les pontes s'il y en a eu, pour un animal. Donc là, c'est du juvénile. Donc voilà, il n'y a pas forcément énormément d'évolution, on voit juste depuis la naissance à maintenant. Voilà, il n'y a pas eu de ponte, il n'y a pas eu forcément de soins. Après, au niveau des soins, moi je rajoute une visite médicale de pré-adoption pour, qui dure 6 mois. Donc en gros, cette visite médicale faite au mois de mars dure pendant 6 mois. Si au bout des 6 mois, l'animal n'est pas tombé malade et que je le repropose quand même, je referai faire une visite médicale pour vous prouver qu'il n'y a pas de problème. Si l'animal est tombé malade entre temps, il y aura donc une visite de soins, une visite de fin de traitement pour être sûr que l'animal va très bien et comme ça vous aurez l'assurance que l'animal sera en bonne santé. Voilà, donc la fiche est faite par un vétérinaire spécialisé que j'étais consulté à mes frais. Comme ça vous achetez un animal qui est sûr d'être en bonne santé et moi je suis sûr que l'animal qui va partir est en bonne santé également et qu'il n'y aura pas de problème, pas de surprise derrière. Après, mes transports sont effectués donc en boîte polystyrène fermée. Donc comme ça, il n'y a pas de problème de coup de froid. Il y a une chaufferette par temps d'hiver ou pas. Donc s'il y en a besoin ou pas. Voilà, donc comme ça, ça vous donne plus de garanties pour vous. Certains ne le font pas, je souhaite le faire. Ensuite, je rajoute donc une petite carte de visite avec le dossier. Cette carte de visite comprend donc mon adresse mail où me contacter ainsi que mon numéro de téléphone en cas d'urgence. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce qu'un animal, on peut le vendre à une personne qui est expérimentée, qui n'aura pas besoin de notre aide, qui aura juste besoin de nous donner quelques petites nouvelles de temps en temps, ce qui est appréciable pour un éleveur, et ce sera tout. Mais on peut tomber sur une personne qui débute dans le reptile, c'est son tout premier, et des fois il y a des moments de panique. L'animal va ne plus manger pendant quelques temps, on va s'inquiéter de savoir pourquoi. L'éleveur saura pourquoi directement, en même temps il vous calmera, il saura vous rassurer sur l'animal et vous dire voilà, faut régler tel problème, c'est ça qui va pas. Ou c'est normal, l'animal est en hibernation et mange plus. Voilà, c'est les petits détails que vous en tant que novice vous feront paniquer. Nous en tant que, pas spécialiste, mais plusieurs personnes plus expérimentées, nous saurons vous aider à régler et vous donner donc l'expérience dont vous aurez besoin pour maintenir au mieux l'animal par la suite. Voilà. Ensuite, je rajoute un autre petit élément qui a son importance pour moi, une clé USB. Cette clé USB reprend tout le dossier complet. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Vous l'avez sur support informatique pour le réutiliser, faire des modifications en direct. Ensuite, il y a un autre petit truc que j'ai rajouté dessus, c'est les photos et vidéos depuis la naissance de l'animal. Pourquoi? Tout simplement pour que vous puissiez voir l'évolution. Dans le cadre du gecko léopard, il y a des évolutions en termes de couleurs, en termes de motifs. Et donc, cela pourra vous aider directement à voir par où l'animal est passé, voir son gabarit comme il était depuis la naissance. Par exemple, si vous trouvez un animal trop gros et qu'il était trop maigre avant, voilà. Et même s'il y a des maladies, vous pourrez certainement les voir. S'il y a des occlusions avec des pertes de poids, vous pourrez les voir directement. Voilà. Donc, tout ça sera disponible sur clé USB, vendu avec. Ce qui fait qu'en fin de compte, le prix de l'animal ne vous reviendra pas bien cher. Mais voilà, c'est des petites garanties que je souhaitais mettre quand même dessus. Il y aura juste la boîte polystyrène où vous devrez en posséder une pour le transport en cas de période froide. Parce que sinon, transporter l'animal dans une boîte comme ça avec juste une chaufferette, ça laissera désirer. Voilà. Donc ça, c'est mes conditions d'adoption qui, vraiment, j'espère mettre carré. Parce que bon, c'est bien de chercher à adopter un animal. Mais il faut savoir vraiment être vraiment au point. Parce qu'un animal qu'on adopte, que ce soit en import, que ce soit chez un éleveur, que ce soit en animalerie, il faut que l'animal soit en bonne santé. Comme là, vous pouvez voir, elle est vraiment active, elle se balade bien, elle grimpe bien. Voilà, un animal en bonne santé. Un animal né chez moi, comme ça, c'est vraiment de l'élevage. Elle est en bonne santé, elle se déplace bien, elle grandit bien. Pour un du gecko léopard, elle a une bonne queue, elle a des bons yeux, voilà. Bien vérifier la santé de l'animal aussi également quand vous vous déplacez. Hein. Si vous êtes en animalerie ou en bourse, machin, n'hésitez pas à demander à prendre l'animal. Comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, pour les manipulations, il faut quand même prendre du gel hydroalcoolique, bien sûr proposé par l'éleveur en bourse, si vous souhaitez manipuler. Moi, j'en ai mis avant le début de cette vidéo, donc j'ai pas eu besoin d'en remettre. Hein, voilà.
Ensuite, je connais mon animal également puisque je le manipule régulièrement afin de le déstresser le plus possible. Certaines espèces ne sont pas manipulées. Le gecko léopard, on peut le faire. Je le manipule également en bourse reptile. Certains m'ont sans doute vu faire. Et l'animal ne se balade pas, ne cherche pas à fuir. Il reste bien là, regardez. Hein. Elle cherche les opportunités pour partir. Et là, elle voit un support. Voilà, l'animal n'est pas forcément stressé. Voilà, donc c'est à vous de bien vérifier et de faire en sorte que tout va bien. Voilà, donc là, c'était juste pour vous la montrer. On va la remettre là-dedans. Et on va refermer parce que sinon, elle va fuir. Voilà. Donc, rappelons donc quand même le but de cette vidéo qui est l'adoption. Donc, vérifiez les plusieurs points. Où vous achetez, où vous adoptez, chez qui vous adoptez, le suivi de l'animal, voir si la personne qui vous a en face de vous est un vendeur spécialisé, éleveur, grossiste. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à voir l'animal, à essayer, si vous pouvez le manipuler. Alors, par site internet, vous ne pourrez pas le manipuler, mais vous pourrez au moins voir des photos. Mais les photos ne rendent pas tout ce qu'on devrait voir. Ça ne rend pas de la vivacité de l'animal, s'il mange bien, s'il est vraiment actif. Voilà. Ça, c'est des choses que vous pourrez voir que sur soit d'une vidéo, si possible, ou que vous pourrez voir directement en bourse reptile avec l'éleveur ou en animalerie directement avec l'animal qui est devant vous. Donc, n'hésitez pas à demander ça. Et suite à l'adoption, renseignez-vous bien donc sur le maintien et le matériel que vous pouvez lui apporter, où trouver le matériel en cas de besoin, où trouver la nourriture en cas de besoin, et également le vétérinaire spécialisé. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et on se dit à la prochaine. Salut !